ma chaîne GNT Productions où c'est qu'on est lit pis on dab. Plus c'est une petite vidéo différente pour vous mes chums. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo de comment perdre du poids ou maintenir la forme et de continuer à boire de l'alcool, profiter de la vie, manger, qu'est-ce que vous voulez pis continuer à avoir des résultats. Je vais vous donner 5 conseils, mais avant de commencer, je vais juste vous dire que je suis pas un entraîneur privé, ok? Loin de là, j'ai pas fait de cours, rien. Je vais juste vous apprendre ce que moi j'ai fait depuis les 3 dernières années que je m'entraîne, ce que j'ai appris, pis comment j'ai fait pour me rendre où c'est que je suis rendu. Fait que je sais, je suis pas le plus cut, je suis pas le plus gros, mais pour un gars qui boit, je dirais, 1 à 2 fois semaine, je mange littéralement ce que je veux à chaque jour, je pense que je suis pas si pire. Mais là, je vous vois venir, là. T'as un bon métabolisme, c'est génétique, que t'es juste un chanceux. Il y a une partie de ça qui est vrai, mais c'est vraiment pas juste ça, ok? Ok, fait qu'avant, genre, pendant mon secondaire, j'étais vraiment un petit gros. Pas le genre de gars qui paraissait gros quand il y avait un chandail, mais genre, j'étais gêné quand j'enlevais mon chandail, parce que j'avais une petite bedaine, pis j'étais vraiment un petit gros. Fait que je pense que j'ai littéralement aucune photo de moi en chest quand j'étais jeune, parce que j'aimais vraiment pas ça, j'étais gêné, pis c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner. Là, j'ai commencé à m'entraîner, je connaissais straight fuck all. Je connaissais rien dans l'entraînement, dans l'alimentation, dans les suppléments, rien. Tout ce que je faisais, c'est m'entraîner, pis là, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation, pis là, j'ai commencé à compter mes calories, ok, avec une application. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Premièrement, si vous êtes pas un bodybuilder, pis votre but, c'est vraiment juste de vous mettre en forme, ne comptez jamais, jamais vos calories. Je vous dis, c'est décollissant pour le mental, ok? Y a rien de pire que ça, ok, de toujours avoir à compter pis peser ta bouffe, sérieux. Si ton but, c'est vraiment juste de mettre en forme, laisse faire ça complètement. Fait que là, j'ai compté pendant littéralement 1 an minimum. Je comptais mes calories, je mangeais rien qui était considéré comme mauvais pour la santé. Quand je dis rien là, c'était rien. J'ai pas mangé de McDo, j'ai pas mangé même pas de Subway parce qu'il y avait du pain, tu comprends? Je mangeais pas de pain, je mangeais juste de la viande, des légumes, un peu de riz. Oui, j'ai eu des résultats. Regardez où c'est que je me suis rendu. C'était là que j'étais le plus cut. Oui, c'était pas pire dans le terme de bodybuilding, mais j'étais vraiment pas heureux du niveau mental parce que quand tu manges pas assez pis tu profites pas de la bouffe que tu manges, c'est vraiment pas le fun. Puis là, après ça, j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'avais fait le 10 000 calories challenge. Dans le fond, c'était la première fois que je mangeais de la malbouffe depuis plus d'un an. Puis j'ai continué à faire des challenges de bouffe. Les journées que je faisais pas des challenges de bouffe, je mangeais toujours santé. Oui, à cause de mes challenges, j'ai commencé à prendre un peu de poids, mais vraiment pas tant que ça. Ça, c'est une photo de mon festival d'été pendant que je faisais au moins un challenge de bouffe par semaine. Fait que j'étais pas autant cut que j'étais avant, mais j'étais quand même plus cut que la moyenne, on va dire ça de même. Puis genre, je buvais puis je mangeais comme je voulais pas mal dans ce temps-là. Puis maintenant, à ce jour, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai dit, je bois 1 à 2 fois semaine. De ce temps-ci, j'irais peut-être plus une fois, parce que c'est bien en masse. Mais sérieux, au niveau d'alimentation, je mange vraiment n'importe quoi, tout ce que je vois devant moi. Fait que je vais vous donner c'est quoi mes trucs. Ok, mon premier truc, gang, c'est la constance. Si j'avais un truc à vous donner, c'est celui-là. Être constant, ça veut dire quoi? Ça veut dire si t'as juste le temps d'aller au gym 3 fois semaine, ben vas-y 3 fois à chaque semaine. Si t'as le temps d'y aller 6 fois par semaine, vas-y 6 fois à chaque semaine. Si une semaine tu vas au gym 6 fois, puis l'autre semaine tu y vas 1 fois. Tu sais, tu comprends? Ça, il y aura pas de résultat parce que t'embarques pas dans le lifestyle. C'est mieux d'y aller 3 fois chaque semaine que d'y aller 6 fois une semaine puis 1 fois l'autre semaine. C'est un peu logique. Puis là, le deuxième truc, ça se rattache avec la constance, c'est l'alimentation. Être constant dans l'alimentation. Je dis pas de constamment manger de la poutine, ok? C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais d'être constant, de manger constamment des bons repas nutritifs. Moi, je vous le dis, je suis chanceux, je peux pas mal manger ce que je veux. Ça s'applique pas à tout le monde, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est pas parce que tu vas manger un trio McDo que les 2 semaines après, tu peux pas rien manger de mal. Tu mettras pas 10 livres parce que tu viens de manger une poutine, ok? C'est ce que le monde a de la misère à comprendre. Fait qu'un petit truc que j'ai à vous donner, l'alimentation, mangez vos portions de fruits et légumes puis de la viande parce que c'est ça qui va vous remplir. Les fruits et légumes, c'est rempli de plein de fibres. La fibre, ça prend de l'espace dans votre estomac. C'est ce qui va vous aider à vous remplir. La viande, c'est plein de protéines.
glycine, la protéine. Ça aussi, ça fait que vous vous sentez plein. Des bons gras, genre des noix, du beurre de peanut, de l'huile d'olive, tous ces genres d'affaires-là. Ça, ça va vous aider à vous sentir plein. Puis si vous avez encore faim, ben là, mangez comme un dessert ou mangez de quoi que vous aimez bien. Mais assurez-vous de manger des repas santé avec le plus de constance possible. Je sais pas si ça fait du sens, mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Fait que le troisième truc, c'est les suppléments. Là, je parle pas de vous piquer avec des shots de testostérone, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, on se pique dans le cul, je fais un stéroïde. En tout cas, je sais pas, j'ai jamais pris de stéroïde de ma sainte vie, pis j'en prendrai jamais, ça sert à rien, à part si vous êtes un bodybuilder, comme j'ai dit avant. Fait que là, les suppléments. Ben, si vous savez pas, je fais maintenant partie de l'équipe de Planète Nutrition. C'est un magasin qui vend des suppléments, ils vendent du linge d'entraînement, ils ont même leur épicerie santé. J'allais là avant de faire partie de leur équipe, parce qu'il y avait les meilleurs prix. Fait que si vous êtes intéressé de vous acheter des suppléments, allez chez Planète Nutrition, mentionnez mon nom GNT pour avoir 15%, parce que déjà qu'il y avait les meilleurs prix, vous sauvez un 15% puis vous m'encouragez directement. Fait que tout le monde est gagnant. Fait que pour continuer ce que je disais sur les suppléments, pourquoi moi je trouve que les suppléments c'est vraiment important? Je vais vous donner un petit truc. Parce que moi dans le fond, ma mentalité c'est que on n'a pas toujours le goût de s'entraîner, c'est normal. Parce que des fois on est fatigué, des fois il y a plein de choses qui se passent, des fois on n'a pas le goût de s'entraîner. Mais là les suppléments, ce que ça fait pour moi en tout cas, c'est que je me dis tant qu'à les avoir achetés, je vais les utiliser. Puis tu sais, tant qu'à les utiliser, je vais m'entraîner. Pour moi, acheter des suppléments, c'est comme une motivation pour aller au gym. Ben mon gym il est chez moi, comme vous allez pouvoir, mais c'est comme une motivation pour m'entraîner. Ça me donne le goût de m'entraîner. C'est un petit truc que j'ai. Si vous voulez l'essayer, essayez-le. Mais bien sûr, vous êtes libre de votre choix de d'être puceau. Je sais pas ce que je viens de dire. Le quatrième truc, ça aussi c'est un truc super, super, super important, c'est de écouter son corps et non sa tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand c'est le temps d'aller au gym, il y a votre corps qui vous dit que ça étende, mais il y a le mental qui est fatigué et ça étende pas. Ce que je veux dire par écouter son corps, c'est que, imagine, tu t'entraînes constamment, constamment, puis tu te sens fatigué, tu commences à te sentir faible dans le gym. Là, c'est le temps d'écouter son corps puis de prendre un break. Un break, gang, c'est pas parce que vous allez pas vous entraîner pendant 2-3 jours de break que vous allez prendre 20 livres, ok? C'est quelque chose que le monde a l'air à penser qui me gosse un peu parce que l'important c'est juste d'être constant. C'est pas d'aller à chaque jour puis d'être 100% en alimentation, 100% training à chaque jour. Quand je dis de pas écouter sa tête, c'est que souvent vous allez ça me tente pas, j'aurais le goût de juste rester écouter Netflix. Ça c'est pas une bonne raison. C'est correct une fois de temps en temps, mais apprenez à écouter votre corps. C'est très très important. C'est pas super clair, gang. Je fais ça à l'improvisme un peu. Ouais, en fait c'est 100% improvisé là. Mais j'espère que ça vous aide un peu. Puis là, le dernier, écoutez bien ça, gang. Mon cinquième truc, profitez de la vie. Il y a personne qui va être fauché après vous. Il y a personne qui va vous juger parce que vous n'avez pas atteint le but que vous voulez. Si vous êtes 5 livres de plus que qu'est-ce que vous voulez, on s'en calisse, ok? Ça change rien. Faites juste vous fier à vos propres résultats. Comparez-vous pas aux autres, comparez à vous. D'où c'est que vous avez commencé, où c'est que vous êtes rendu. Fait que là, ce que je veux dire, c'est que, imagine, vous êtes allé au bar, vous avez viré une méchante brosse, vous êtes allé après ça au McDo, t'as mangé 3 juniors avec 2 poutines. Là, tu te sens dégueulasse le lendemain. Ou sinon, tu pars une semaine, t'es sans la grosse brosse, tu t'entraînes pas, tu fais rien. Pis là, tu te sens encore plus dégueulasse. Ok, ben là, ce que le monde vont faire, c'est que ils vont rien manger, ils vont s'entraîner comme des malades, plus que qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Il y en a qui vont s'entraîner 8 fois par jour, ils mangeront quasiment rien sauf des fruits et des légumes. Gang! Imagine vous virer une brosse ou vous l'échapper pendant une période de temps, puis vous voulez vous reprendre en main. Commencez lentement ou au même rythme que vous aviez avant de l'échapper ou de votre brosse, peu importe. Fait qu'exemple, moi, je sors souvent les vendredis, ben toute la semaine, je vais un peu manger ce que je veux puis tout, mais je vais toujours manger des repas santé. Après ça, le vendredi, je vais boire, je vais manger comme un porc. Le samedi, là, je couperai pas tous mes repas, là. Je vais juste recommencer à m'entraîner normalement, recommencer à manger normalement. C'est juste une question de constance, ok, gang? Tout ce que je veux que vous retenez de cette vidéo, c'est la
constance. Fait que ça fait pas mal le tour. Je sais que c'était pas la vidéo la plus précise, la mieux expliquée, peu importe, parce que comme j'ai dit, j'ai pas étudié là-dedans. C'est juste un petit truc que je pourrais vous donner. Fait que si ça vous aide, ben tant mieux. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, dites-moi là dans les commentaires. Je vais essayer que ce soit peut-être plus structuré les prochains. Mais là, je voulais juste vraiment vous parler de mes trucs. Donc, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de subscribe pour voir d'autres vidéos de ce genre et de plus en votre genre. N'oubliez pas d'aller acheter votre merch si vous voulez. Premier lien dans la description. N'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir plus de contenu, si vous voulez venir me parler, peu importe. Puis n'oubliez pas de taber, de sourire et de rester positif, gang. Parce que comme on dit, c'est beau l'amour, mais les bananes, ça vaut. Salut, je vous aime, à la prochaine.